Il y a 8 mois seulement, Clément ici venait afin de vous remercier pour les 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, il revient car vous êtes à présent 20 000 abonnés à le suivre dans cette merveilleuse aventure. Comme vous le savez, il accorde une grande importance à ceux qui lui permettent d'être là et d'avancer sur YouTube. Il va vous le prouver encore aujourd'hui, dans cette vidéo de fou. Alors, mesdames et messieurs, voici le grand, le seul, l'unique, Clément ici. Et bien salut tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale car comme vous l'aurez vu aujourd'hui nous fêtons les 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vous le dis souvent les amis, je le sais, mais merci encore à vous tous de me faire vivre cette expérience extraordinaire. Si je monte sur YouTube c'est uniquement grâce à vous, alors merci beaucoup. Maintenant on se pose tranquillement les amis et on se détend devant cette vidéo plutôt originale. Vous allez découvrir plusieurs nouveautés et surtout dans cette vidéo vous découvrirez les appels que j'ai réalisés. Car comme vous allez le voir, j'ai appelé quelques abonnés au hasard et franchement, j'ai bien rigolé. Encore une fois, j'ai fait participer beaucoup d'abonnés dans cette vidéo et nous allons d'ailleurs commencer par répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Facebook. Donc je n'ai pas tout pris car ce n'est pas non plus une FAQ. Donc première question les amis, pourquoi les taureaux comme emblème? Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, sur GTA j'avais acheté le masque de taureau quand il est sorti. Et en fait il était disponible seulement pour un certain moment, donc une semaine je crois. Et donc après j'étais l'un des seuls à l'avoir, j'étais reconnu un peu comme ça. Et j'ai donc décidé d'en faire mon emblème. Et bien sûr si vous voulez le masque, il est disponible chaque année au mois de juillet pour le jour de l'indépendance américaine. Donc là je vais répondre à deux questions en même temps qu'on me pose souvent. Donc pourquoi je ne me montre pas en vidéo tout simplement? Car je pense que dans la vie il faut faire ce qu'on a envie et pas se forcer. Donc pour le moment je n'ai pas forcément l'envie de me montrer. C'est toujours bien de laisser une part de mystère dans les vidéos. Et je ne suis évidemment pas le seul à le penser. La salle par exemple prend son temps pour se montrer avec plus d'un million d'abonnés. Vous ne l'avez jamais vu. Donc je pense en avoir déjà montré pas mal alors que je n'ai que 20 000 abonnés. Mais bon, vous me découvrirez complètement, Inch'Allah j'ai envie de dire. Ensuite, prévois-tu des séries sur des jeux? Alors je le dis souvent que des courts-métrages sont prévus sur GTA. Donc oui, ça prend beaucoup de temps car j'ai du mal à les organiser maintenant que mes journées sont très occupées. Mais franchement, ça va vraiment arriver, je vous le promets. Sur d'autres jeux, je n'ai pas encore spécialement de projet, mais on ne sait jamais. Ensuite, penses-tu qu'on pourra faire une vidéo ensemble sur BO3 ou GTA 5? Alors, si tu es sur Xbox One, pas de souci. Évidemment, je te donnerai mon pseudo dans la description. As-tu un souvenir que tu n'oublieras jamais? Bah là, comme ça, je sais pas trop, mais un bon souvenir, je pense que c'est quand j'ai eu mon bac. C'était un grand soulagement, car sincèrement, je n'ai jamais vraiment aimé les cours. J'ai souvent séché, et mes devoirs, n'en parlons pas. Enfin, c'était surtout au lycée, je parle. Alors j'ai fait le nécessaire pour les examens, je me suis démerdé, et par chance je l'ai eu de justesse, mais je l'ai eu, donc très peu ont cru en moi, et donc c'était un beau moment de pouvoir le dire à mes proches que ça y est, je l'ai. As-tu d'autres projets, top 5, vlog, etc? Alors des top 5, oui sincèrement, les vlogs ça me tente bien pour certaines occasions qui devraient arriver dans les mois à venir, mais je vous en dirai plus quand je le pourrai. Et enfin, as-tu fait un voyage que tu as apprécié? Continue tes vidéos mon pote, alors merci beaucoup à toi pour tes questions. Pour ma part, j'ai souvent été en Espagne, ce qui reste un pays que j'adore, mais j'avoue que je rêverais bien d'aller en Amérique, j'espère donc un jour le réaliser. Penses-tu te rendre au million? Moi je crois que t'es capable, PS, je t'adore, t'es le meilleur. Alors c'est très gentil, merci beaucoup, et moi je vous adore tous mes abonnés, donc sincèrement le million je pense pas, mais je vais déjà viser les 50 000, ensuite pourquoi pas les 100 000 si vous êtes encore là, et si je suis encore là. Voilà les amis, on va passer à un premier appel, et vous découvrirez en même temps quelques-uns de vos snaps. Comme d'habitude vous êtes les plus beaux et plus belles, merci à vous pour vos snaps. Pour les appels je pense que je vais sous-titrer car bizarrement l'enregistrement des voix est bien, mais moi on m'entend pas bien. Donc voilà le premier appel, on commence à être de la douceur, enfin presque. Voici la belle Manon, marseillaise avant tout, mais surtout une fille quoi, vous allez comprendre. Allô? Ouais Manon. Ah ça va? Ça va et toi? Tranquille. Je te dérange pas? Non t'en fais pas, j'étais juste avec mes potes. Toi ta gueule, la dernière fois t'as pas voulu que j'entende Greg alors tu l'entends pas. C'est quoi? Bah rien, j'étais au gala avec mes amis, tranquille. Léa Casson! Ah, c'est bien. Oui, tu vois, moi je me fais. Manon, c'est bien. Non, t'es sérieux là? Ah bah, je t'avais prévenu. Alors, attends, ça fait 10 jours que. Non, mais c'est une. Attends, deux secondes. Elle va passer pour une folle. Dans la vidéo, tu me fais violer en appel. T'es vraiment une connasse. Mais il a été au YouTube, tu crois quoi, toi? Non, c'est une blague. Non, non. Mais t'aurais pu me prévenir. Putain, mais... Tu veux dire, attends. Tu veux dire, je t'ai pas prévenu quoi en plus.
En plus, tu vas dire je t'ai pas prévenu. Ah ouais. Mais non, mais attends. Non, tu m'as dit j'ai quelques instants pour toi. J'ai fait ah bah ok, ah ouais, tranquille. Non, mais je t'avais prévenu avant que je récupérais les numéros. Mais les attends quoi? Allez, raconte toujours, lâche-moi. Non, mais t'es sérieux? Mais moi je pensais genre tu sais que t'étais en train de te préparer et qu'après t'allais partir et tout. Les gens vont être ravis de te rencontrer, Manon, je crois. Ah oh ouais? C'est une belle présentation de toi que tu nous fais là. Je l'appelle. Non, mais t'as vu? Dessus, ah ouais, d'accord. Non, mais le pire, c'est que je te dis pas. J'ai mal de partout parce que je suis au gala. Je porte actuellement des compensés que j'ai achetés aujourd'hui. Ma mère m'a dit essaye de marcher avec, faut bien que tu marches, faut pas que tu ressembles à un pingouin. Je fais ok. J'essaye de marcher, elle m'envoie marcher dans des graviers, dans des cailloux, dans de la terre. D'accord. Mais il est où? J'ai mal. Mais genre, en fait, juste à côté de ma résidence, il y a une genre de crèche et une garderie, en fait. D'accord. Et mes amies, elles répètent par là, donc du coup, bah, voilà. D'accord. Ça a l'air sympa. Ouais, t'as vu? Ça fait plaisir de t'entendre. Ouais, moi aussi. Surtout que tu m'as fait patienter pendant je sais pas combien de jours, hein. Il faut pas le dire en vidéo, ça. Je vais passer pour un crevard. Mais non, t'es pas un crevard. T'es très gentil. Ouais. C'est gentil. Bah, rien de spécial. J'ai 18 ans. J'adore rire. Tu viens de Marseille. Rire, m'amuser avec mes potes. Je suis de Marseille. Oui, je suis une Marseillaise. Bon, une Marseillaise où du côté du père, t'as des Russes, des Tunisiens, des Marocains, tout ce que tu veux. Ah, et ouais, du côté de la mère, c'est des Espagnols. Ah, t'as un bon mélange, toi. Oui, vous allez vous asseoir là. Au coin. C'est quoi son nom? Dans ce YouTube. Tu vas t'asseoir. C'est Clément ici, va t'asseoir. Clément ici? Oui. Clément. Mais non. Ah bah c'est bon. Elles ont fait un jeu de mots pourri avec ton pseudo. J'ai pas entendu, dis-moi. Clément, ici? Ah d'accord. C'est genre, elle t'a. Il y a des murs à Marseille, hein. C'est bien. Ouais, t'as vu? Non, sérieux, la terre dans les chaussures, je t'emmerde, je l'ai eu à peine aujourd'hui, c'est bon, tu vas pas commencer. Ça va être bien pour la vidéo, ça va être sympa, toi. Les gens, ils vont bien aimer la petite Marseillaise. Ouais, ils vont bien se foutre de ma gueule. Après, tu vois, ils vont avoir une bonne idée des Marseillais et Marseillaises, hein. Bon, sinon, Manon, t'as un petit message à dire pour les 20 000 abonnés, pour tous les gens qui vont te regarder. Ouais, hein? C'est fourbe, hein, quand même. Que tu fais de super bonnes vidéos, t'es franchement un très bon pote et que tu les mérites vraiment les 20K. Oh bah c'est gentil. Et t'as tous mes applaudissements et les applaudissements de ma meilleure amie. Ah bah c'est gentil, merci Manon. Mais est-ce qu'à part je pourrais quand même avoir ton numéro ou pas? Bah là tout de suite je veux pas le dire parce que ça serait un peu con de le dire en vidéo. Non mais sur Snap. Ouais. Ouais, ce matin, je me suis levé tôt, je sais pas pourquoi. Je me suis levé tôt, pardon. Ah ouais, parce qu'en plus, Manon a fait des blagues, ah ouais. Il y a de l'humour à Marseille, non, hein. Ça donne envie de venir. Hein. Mais qu'est-ce que ça? Bah, tu m'enverras ce qui faut par Snap. Putain, j'ai mal. Et puis, à bientôt et bravo pour tes 20K. Merci, puis là. À bientôt Manon, bonne soirée à toi. À bientôt, et s'il te plaît, coupe la moitié de l'appel, j'ai pas envie de passer pour une attardée. Ça marche, je vais réfléchir à ça. Allez. Bon, après, tu mets ce que tu veux. Ça marche. T'inquiète. Ciao. Voilà Manon, je pense que je t'ai bien mis en valeur et j'espère que ça t'aura fait plaisir. Non, sans rigoler, évidemment, c'est une fille très bien et là, c'est seulement une partie de l'appel. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment comme avec tous les abonnés que j'ai appelés. D'ailleurs, le vrai problème, c'est le son. J'essaierai de trouver une autre solution la prochaine fois. Mais sinon, c'était très bien. J'ai changé la barre pour les réseaux sociaux, également pour les 20K. Mais également, revoici le coin des abonnés. Je sais qu'il vous avait manqué. Il est là, il va se remettre de temps en temps en route. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais voici pour le moment un nouveau principe. C'est le coin-coin des abonnés. Donc le principe est simple. Sur YouTube, vous êtes nombreux à me faire des vidéos, des dédicaces, des vidéos spéciales pour moi. Et c'est vraiment gentil. Donc là, j'ai décidé de vous mériter d'être récompensé. Donc nous regarderons ensemble quelques extraits des vidéos que vous faites. Avec ou pour moi. Donc si vous voulez être dedans, c'est uniquement pour les vidéos que vous faites en mon nom, car franchement ce serait dommage de pas les regarder. Pour m'aider les amis, envoyez-moi les liens de vos vidéos sur les réseaux sociaux, comme ça je me ferai une joie de partager tout ça et de faire monter un peu vos vues les amis. Et on lance donc le hashtag gentiltaureau pour fêter ça. I got
the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Ouais, allô Clément? Ah, Jessie, ça va? Pourquoi tu m'appelles? Bah, je viens de chercher avec mon camping-car, alors dis-moi ton adresse, fais tes affaires et j'arrive tout de suite. Cool, merci. Et mon adresse c'est 98 avenue Burton, de toute façon, je t'attendrai devant chez moi. Ok, à tout de suite. It's true, baby, let the light shine through, if you believe. On va écouter maintenant un deuxième appel, ou plutôt lire. Franchement, je suis un peu dégoûté du son. J'espère que vous m'en voudrez pas et j'espère quand même que vous entendrez bien. Mais bon, c'était bien évidemment des bons moments qui auraient dû être bien enregistrés. Mais franchement, j'avais pas prévu ça comme ça. Donc pour cet appel, j'ai appelé un certain Gabin en essayant de me faire passer pour un de ses potes. Et ça a évidemment pas marché. Vous allez le voir que bah, soit c'est moi qui suis très nul, ou alors il est vraiment très fort. C'est parti. Allô ? Allô Gabin ? Oui. Ouais, c'est Jérémy, ça va? Ouais. Tu fais quoi? Oh, Clément, arrête. De quoi? Clément. Allô? Ouais, allô? Oui. C'est Jérémy? Oui. C'est Jérémy qui? Mariol. Ouais, ouais, c'est ça. Clément, ah, arrête. Ah, attends, non. T'aurais pu au moins un peu y croire, quand même, foiré, va. Je t'ai reconnu. Il nique tout. Je suis pas con. Hey, je suis pas ça con. Ça va ou pas, Gabin? Ouais, tranquille. Tranquille. J'ai reconnu ta voix. Ah, tu fais chier, je faisais exprès de faire une petite voix là. C'est Jérémy, putain, je me disais, c'est qui lui? J'ai dit, what the fuck? Donc, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah, j'ai pas acheté de bureau moi. De quoi? J'ai pas acheté de bureau. Hein. De bureau, d'accord, merci Gabin. Très bien. Alors je t'appelle parce que je fais une petite vidéo, tu vois. J'avais envie de t'embêter un peu. Ah, tranquille. T'as un petit message à dire pour les abonnés? J'aime Clément ici. Oh, c'est beau. Alors fais ta pub. T'as une chaîne YouTube, je crois, non? Ouais. Allez, vas-y, fais-nous ta pub. Abonnez-vous à Dark Airsoft, 57 abonnés, c'est pas mal, non déconne. Bon, t'as pas une petite blague à nous faire? Ta mère, elle est tellement conne que... Ah bah mec, il insulte ma daronne en vidéo. Ah bah c'est beau, tiens, merci gamin. Les seules lettres qu'elle sait dire, c'est KFC. D'accord. Donc là, t'es en train d'insulter ma mère devant 20 000 personnes. Merci. Ah ouais, voilà, non déconne. Tu te prenais pour un gentil abonné, ouais. Tu me déçois. Ah non, mais moi je suis amoureux de toi, moi. Ah. Je veux être gay avec toi. Ah, on va peut-être pas aller trop loin non plus, mais on va dire que tu m'aimes bien. Ouais, voilà, on va dire que je t'aime bien. Donc voilà, le lien de sa chaîne sera dans la description. Comme vous l'aurez compris, j'ai raccourci tous les appels, sinon la vidéo allait durer très longtemps, car parfois je suis resté de longues minutes avec les abonnés. Donc je vous passe juste un extrait de chaque appel, on va dire. Mais le plus drôle arrive après, car l'un de mes abonnés m'avait carrément pas reconnu, jusqu'en appeler ses parents. C'était plutôt drôle, donc je vous conseille de rester. Mais avant ça, tout de suite, je vous passe un petit appel. Donc là, j'appelais un certain Mathieu qui venait de fêter son anniversaire. Et encore une fois, j'ai voulu me faire passer pour un de ses amis, ou plutôt un de ses ennemis, vous allez comprendre. Oh nique ta race, arrête de casser les couilles là. Ouais, ça arrête là. Tranquille. C'est qui? Frère. Arrête-toi, mec. C'est qui? C'est Antoine. Qui est Antoine? Bah, Antoine, j'habite à Marmoutier, wesh. Je te connais pas. Arrête de faire genre, Baltring. Je te connais pas, alors dis-moi comment je m'appelle. Mathieu. Vas-y, arrête. Ferme ta gueule, arrête de casser les couilles là. Tu veux quoi, toi? Mais ferme ta gueule. Ah ouais, t'es sûr de toi? Ouais. Ok, ok. Hier, c'était ton anniversaire et même pas tu m'invites. Ok, frère. Et d'où tu sais ça, toi? Ah, je connais ta vie, mec. J'habite, ouais, ouais. J'habite pas loin, là. Je vais venir chez toi, tu vois.
Vas-y, viens. Bah tiens. On t'a eu quoi comme cadeau là? Ma bite. Ta bite? Ah ouais? Ouais. Bah je trouve que c'est pas mal pour une vidéo, bravo Mathieu. Ah là là. 20 000 personnes qui te regardent me dire ça, bah c'est beau, hein. Bravo Mathieu. 20 000 personnes? Ouais. T'as pas une petite idée ouais. Là. Ah c'est bon, je sais c'est qui. C'est qui? Clément. Ah. Alors, bah, ouais, ouais. On est bien accueillis chez toi quand on t'appelle, ça fait plaisir. Merci. Ah, mais parce que voilà, j'avais complètement oublié que tu devais m'appeler alors que. Waouh! Ah, bah, c'est assez cool. Ah, ouais. Attends, GG pour les 20 000. Bah, merci. Bah, maintenant, ça fait plaisir de te parler. L'autre, il m'insulte et tout. Bah, bravo. Ça va. Ouais, je pensais que c'était quelqu'un d'autre parce qu'il y a deux secondes, il y a quelqu'un que je connais pas qui m'a encore envoyé des messages. Ah. Oh, je pensais que c'était quelqu'un qui se foutait de moi. Non, bah non. Moi, j'appelais en but amical, tu vois. Je me fais agresser. Ça fait plaisir, merci. Désolé. Ah, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai bien rigolé en t'appelant, Mathieu, et je ne t'en veux pas du tout. Ne t'inquiète pas, évidemment. Après, en tant que gentil taureau, durant l'appel, je lui ai offert un t-shirt Clément ici pour son anniversaire, mais aussi pour le canular. Bon, on va pas se mentir, il faut quand même que je travaille un petit peu pour ça, pour les canulars. Vous êtes nombreux à me demander quelle est la musique de mon intro. Eh bien, je me le demandais aussi, car je pensais que c'était le VFX qui avait fait mon intro, qui l'avait pris au hasard. Mais il y a quelques jours, je me suis aperçu, comme un con, on va le dire, qu'en fait, c'était une musique que je lui avais donnée. Donc, j'avais la musique sans le savoir depuis longtemps sur mon PC, mais bien sûr, vous m'en voudrez pas. Le titre c'est Hey et c'est bien évidemment noté en bas de votre écran. Alors aidez-moi maintenant dans les commentaires des autres vidéos quand les gens me demanderont le titre, dites-leur car franchement j'en peux plus, je reçois des dizaines de messages pour savoir la musique. Maintenant je vous propose d'écouter Aurélien, un homme au grand cœur avec qui j'ai beaucoup discuté. Donc j'ai coupé court pour la vidéo car le son est mauvais mais en tout cas ça m'a fait plaisir d'entendre tout ça et je vous propose donc de l'écouter aussi. Allô Aurélien? Ouais, bah, tu sais qui c'est? C'est Clément. Ouais. Ça va, tranquille. Excuse-moi de parler de pas t'avoir répondu parce que, comme j'ai pas ton numéro, comme c'est inconnu, je réponds jamais. Oh, c'est pas grave. Non, c'est moi, j'appelle en inconnu aussi, c'est normal. Tu peux pas me reconnaître, je t'avais pas dit tout ça. Je te suis depuis, sans te mentir, depuis quelques temps. Ouais. Depuis quelques temps, il faut dire ça comme ça. Et excuse-moi pour le bruit. Et je vais te souhaiter beaucoup de choses ouais. Pour tous les abonnés que tu as. Ouais. Et puis voilà pour tes vidéos c'est pareil. Je te souhaite beaucoup de choses. Et puis bon continue comme ça, puis voilà, je suis avec toi. Bon, c'est gentil, bah, tu me soutiens beaucoup, ça fait plaisir. C'est normal, hein. comme je t'ai dit, hein, je t'apprécie beaucoup. Moi, je te connais pas assez, mais bon, je pense que t'es un mec bien, tu vois. Ouais. Bah, toi aussi, t'as l'air d'en être un, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des ouais, abonnés comme toi, c'est gentil. Ouais, ouais, merci. Merci, je te laisserai pas tomber ta gueule. Oh, bah, c'est gentil. Merci beaucoup Aurélien et puis bah bonne soirée à toi et puis bah à très bientôt alors. Merci à toi aussi. Voilà, je te salue Aurélien car je ne doute pas que tu regarderas cette vidéo. On va lire une autre question sur Facebook avant de continuer. Est-ce qu'un jour tu penses de changer nom taureau et mettre un autre truc? Reste sur taureau, continue comme ça. Bah ok, si ta question c'est si je vais changer le nom de ma chaîne et mon taureau, la réponse est non, à la limite le taureau évoluera, mais ça restera toujours un taureau. Ensuite les amis, j'ai appelé un petit abonné qui, je précise comme les autres, m'a donné son numéro sur Snap. En me suppliant de l'appeler, j'ai attendu quelques jours pour qu'il oublie, et je l'ai appelé en inconnu évidemment. Puis j'ai encore voulu me faire passer pour un de ses amis, et bah là c'est le drame. Encore une fois, je vous propose de lire les sous-titres, et bien sûr des moments ont été coupés pour raccourcir la vidéo. Allô Jérôme? Allô? Oui? Ouais, c'est Théo, ça va? Allô? Oui? Ça va, c'est Théo? Théo qui? Bah, tu te moques de moi ou quoi? Allô? Bah, arrête. On est au collège ensemble. Bah, t'as pas la même voix. Bah, tu te moques de moi ou quoi?
T'es où qui? Mais arrête. C'est quoi ton nom de famille? Tu me reconnais pas? Tu te moques de moi? Ouais. J'ai changé mon numéro, je te l'ai dit. Tu fais quoi, mon pote? Ben, je sais pas, tu vois. Tu vois pas qui je suis? Tu te moques de moi? Non. Oh, le mec. Tu fais quoi, alors, là? Non, mais t'es qui? Arrête de te moquer de moi, c'est bon, je sais que tu fais exprès. Ben non. Mais si. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourrais-je parler à Jérôme, s'il vous plaît? De la part de qui? Théo. Théo qui? Je me connais, je suis au collège avec lui. Il est au collège avec toi, Théo. Mais le Théo qu'il connaît, il n'a pas la même voix. Je le connais. Dites-lui que c'est Clément, alors. Clément. Théo Clément? Non, mon prénom c'est Clément, dites-lui. C'est Clément, son prénom, lui. Et il veut quoi? Vous voulez quoi, exactement? Je ne connais pas de Clément. Ah, pourtant il m'a donné son numéro, c'est dommage. Non, il a l'ordre de ne pas donner son numéro de téléphone au collège, donc ça m'étonnerait. Non, mais je ne suis pas au collège, Bon, est-ce que tu pourras arrêter de m'appeler, là, s'il te plaît? Oui, bonjour, là, je suis papa Jérôme, là. Bonjour, papa Jérôme. Oui, oui, vous arrêtez de l'appeler, là. Vous effacez son numéro. Il doit pas comprendre ce que c'est, mais bon, il comprendra plus tard. C'est pas grave, dites-lui d'aller sur Snap et... Oui, bah, vous le laissez tranquille pour l'instant. D'accord. Ok. Alors, j'en entends pas parler, parce que sinon, je descends au collège, moi. Non, mais monsieur, je suis pas au collège, c'était une blague. Ah, vous êtes où, alors? Ah, moi, je fais des vidéos sur YouTube, et votre fils m'a donné son numéro pour que je l'appelle. Je l'appelais. Ah, d'accord, bah, c'est bizarre qu'il vous ait donné son numéro, parce que il a pas à vous donner son numéro de téléphone, donc je pense pas qu'il vous l'ait donné. Ouais, bah, je l'ai pas trouvé. Ouais, bah, peut-être. Non, mais je sais pas, mais. Non, bah... De toute façon, faut arrêter. Ah, d'accord. Je comptais pas l'appeler non plus toute ma vie, vous inquiétez pas, monsieur. C'était non, juste... non, non, mais. Je l'appelle, donc je l'appelle, après, il n'y a pas de souci. Non, mais d'accord, ok. Il n'y a pas de mal, mais bon, ben. Il a compris le principe, bon, après, c'est pas grave, il verra plus tard. Il comprendra. D'accord. Ok, ça marche. Donc, bonne soirée à vous. Eh ben, merci et puis bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Si vous écoutez bien la fin, on entend un petit mot qui ressemble à connard. Alors, messieurs, dames et Jérôme, le connard vous embrasse. Et bien sûr, Jérôme, quand on donne son numéro en disant de l'appeler, il faut bien s'attendre à un appel. Alors, je pense que tu n'as pas voulu assumer une fois que tes parents étaient là. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Vous m'avez bien fait rire tout de même. On se rapproche doucement de la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous êtes encore là, car il reste encore quelques surprises. Et en voici justement une, les amis. Des images s'affichent à l'écran. Et donc, c'est des photos de profil que j'ai créées pour vous, les amis, les taureaux. Vous pouvez les télécharger gratuitement, évidemment. Les liens seront dans la description. Donc, n'hésitez pas à les prendre, à les mettre en photo de profil sur YouTube et surtout à commenter partout pour montrer que les taureaux sont là et ça me ferait super plaisir. Ensemble, nous allons montrer que les taureaux sont opérationnels sur YouTube. Pour terminer les amis, voici un dernier appel que je vais vous faire passer, désolé à tous les autres, mais j'essaierai de vous faire passer dans une autre vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de tous vous parler et on appelle donc Jérémy. Allô? Allô, Jérémy? Oui. C'est qui c'est? Oui. Tu vas bien? Ouais, bah, je vais bien. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Depuis tout à l'heure, je regarde tes vidéos, là. Ouais. Ça va, tu vois, je t'ai appelé quand même, je suis gentil. Hein. Oui. Je t'ai laissé la dernière place, donc là, t'es le dernier à passer sur la vidéo. Tu vas pouvoir faire okay. Ta pub, parce que vu que l'autre fois, tu devais passer okay. Déjà. Vas-y, parle-nous déjà, ouais. Attends, tu vas déjà nous parler un peu de toi, vas-y, raconte-nous un peu. Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 13 ans, oui. J'habite à Livron, c'est au sud de la France, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle AntGG. Sur cette chaîne, je fais du gaming, plein de trucs,
Voilà, si vous me dites dans les commentaires, et peut-être que je ferai ça en vidéo. Voilà. Bah, c'est beau, une belle présentation. Mm. Bravo. Merci. T'avais pas recréé une deuxième, toi, un truc du genre ? L'autre fois, tu m'avais Si. Ouais, j'en ai créé une deuxième aussi. Ça va être... c'est un le saviez-vous, on va dire, sur des jeux vidéo. D'accord. T'as déjà commencé à mettre des vidéos dessus, non ? Ouais, deux vidéos pour l'instant. D'accord. T'as combien d'abonnés sur celle-là ? Là, j'ai commencé il y a pas longtemps, du coup, j'en ai 6. J'ai 6 abonnés. Oh, c'est déjà ça. Alors, H... VDT. Ah oui, et je te félicite pour les 20 000 abonnés. Hein. Bah merci, c'est gentil. T'es abonné depuis combien de temps, toi ? T'avais au moins 15 000 abonnés quand je me suis abonné à toi. Oh, ça fait déjà un petit moment, alors. Ça va. Ouais. T'es arrivé vers Noël, un truc du genre, non ? Ouais, un truc comme ça. Grâce à vous, les taureaux, bah, Clément a pu arriver à un stade assez haut, quand même. J'avoue. 20 000 abonnés. Donc, grâce à vous, on est tous avec Clément. Et voilà. C'est beau. Merci à toi, Jérémy. Donc, les liens des chaînes seront dans la description. Et d'ailleurs, la nouvelle description est disponible. N'hésitez pas à mater ça. Et surtout, réagissez à cette vidéo, les amis, avec le hashtag taureau dans les commentaires. L'un d'entre vous remportera le t-shirt Clément ici. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci encore à tous d'être là. Vous avez été trop vite pour arriver 20 000 ici. Donc, ça n'a pas été non plus la vidéo de l'année. Mais je vais me baser pour les 25 voire 30 000 abonnés pour avoir le temps de faire l'énorme vidéo que j'avais prévue. Car c'est du IRL. Donc j'ai besoin de plusieurs préparations, bref j'en dis pas plus. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et vous pouvez même vous abonner. Et nous on se retrouve en général tous les lundis, mercredis, samedis pour de toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, merci à tous, salut tout le monde. Go for life.